dares to enter the mayhem. Leo Whiteside. Kai Keese. Yep. Donc, Lias contre BrotherJay, Lias, Leo contre contre Kai. Donc, ouais. Donc, je pense que Lias préfère jouer ce match-up-là, genre garder la distance ici, prendre contrôle du neutral. Mais quoi que ce soit, nous autres contre Kyo, puis c'est l'excellent Fireball, mais. BrotherJay aime toujours bien Junkin, puis et voilà, donc il va passer le burst early de EOS 7. Donc, oh wow, et il va convert avec la fireball de retour, super. Là, il est dans le grinder. Oh, il va sortir du grinder, et il ne retourne même pas. Donc, il va bloquer ça, parfait, le tour à Kai, mais oh. Mauvais confirm de Red Variety, je suppose. Il y a encore. Oh, même pas réussi. Avec un punish questionnable. Mais. Yo, quand même. Ah, donc, vraiment. Fait de forcer de la pressure à partir du new goal en tant que Kai. Avec les fireballs, etc. Ouais, vraiment. Yoss, que tu sais, qu'il travaille dessus, ça fait un bout. C'est par plus de DB. Avant, il faisait pas si bien, presque qu'un défi, mais maintenant, il a pas peur de faire que ça fait qu'il prend sa place. Ça donne beaucoup de power. Ouais, donc quoi, la fireball de Leo a tellement de pouvoir. Ouais, donc voilà. Oh, même pas, on drop le combo, on retourne pour un autre cross-up. Duel 1. Let's rock. Donc voilà, donc en backturn, mais il est pas sur Kai, donc ça veut dire qu'il pourra pas vraiment avoir de la bonne pressure directe là. Donc le soft knockdown. Oh, bait le DP. Il va faire du dégât puis il fait un wobber. Ah non, même pas, je pensais qu'il était plus proche du corner. Les deux, on peut voir qu'il veut pas trop pousser pour l'offense. Donc. BrotherJay était en back un dragon, donc c'est pas trop bon pour. Oh, grave le cross-up, excellent. Mais BrotherJay pouvait juste dépenser mes deux dégâts. Dans mon WRC, puis. Ça permet de faire de pressure, donc c'est trop pas c'est dur de bloquer sur Red là. C'est dur. Oh, le knockdown, parfait. On a pas pris le hard knockdown puis après c'est bon. Le hard knockdown. Le fireball pour poser la pressure, mais vraiment, BrotherJay a pas peur de faire les DP. À chaque fois que Diaz essaie de prendre son tour, BrotherJay fait juste YRC, DP, puis vraiment, Diaz a de la misère à prendre son tour là. Ça rend ça très difficile. Donc on va voir si Diaz peut pogner du momentum dans la dernière game, mais c'est vraiment. Ça va être très très difficile pour moi. You're gonna get to play this game.
Oh, Ios qui s'en va avec Jacko. Il est rendu combien de score? C'est 2-0. 2-0 pour BrotherJay? Ouais. Là, Jacko pick intéressant. Là, je pense que je sais pas si Ios a juste abandonné sur gagner 7 là, parce que je ne voudrais pas insulter sa Jacko de même. Elle a du potentiel. Et peut-être qu'il y a l'habit de quoi contre Leo pour dealer avec. Je sais pas. J'ai hâte de voir ça. Les deux font. Ouh. Pong le knockdown et pong le wall break avec son wow, quel combo! C'est vraiment un gros combo sur le counter hit sweep. Oh, on a manqué le summon minion, et aussi, il sait qu'il n'a pas donné le temps à Jacko de prendre son tour parce que Jacko, ben, c'est ça, très simple. Pong un hard knockdown, mais la fireball est juste tellement bon pour tuer les minions, il faut. Vraiment, c'est qu'avec ce fireball-là, il doit pas s'inquiéter. Mais là, genre d'attente, il va aussi le minion. Oh, trade, parce que ça tue le minion, parce que malheureusement, oh, tu sais, pour l'instant, je pense qu'il a essayé de faire des minions cancel, mais il n'y a pas de minions cancel. Oh, wow, ça c'est juste dommage. Je pense qu'il a manqué une coupe de season build puis ça l'a tout ruiné parce que vraiment c'est décédé. Voilà, on va le pour le respecter. Pas de trop prendre sa place. Il sait qu'il peut commencer à bloquer puis juste faire sa fireball après un moment puis il essaie de l'artiste éliminer. Oh, donc voilà le burst, yes, dans la ligne pour la round. Please revoir si c'est super. Oh mais le gold buff. Oh, perfect reversal super, ça devrait tuer. Excellent job. Yes, encore vivant. Continue à. On dirait que Jacko a l'air de marcher. C'est vrai que BrotherJay est moins familier avec le matchup aussi. Oh, excellent tech sur le throw. C'est juste. Water pressure, stance, block to lose the red, c'est excellent. Oh! Wow! J'ai tout été joué, malheureusement, donc. Et voilà. Donc, GG's à BrotherJay.